Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc on est le week-end du 15 août, donc c'est week-end de 3 jours, donc je vais en profiter pour filmer. Donc pour l'instant je vais me préparer. Donc faut que je refasse ma manucure et je vais prendre comme d'habitude mes fétiches de chez Kiko et de quoi faire du nail art que Sloane m'avait offert. Quelques produits aussi que Sloane m'avait offert que j'adore niveau maquillage. Et puis je vais essayer de mettre un petit peu de bébé crème, j'ai pas trop l'habitude de me poser ça mais on verra. J'ai publié et checké Instagram comme d'habitude. Je vais faire une petite partie de jeu, mat et mes vlogs. Et après c'est prévu que je sorte dormir faire un peu de chasse au Pokémon toute seule. Donc voilà, donc je vais quand même tourner une petite vidéo avant pour le vlog. Et puis comme ça je vais sortir pas trop tard et après on improvisera en fonction. Mais voilà, j'en vais en vlogger aussi ce week-end parce que j'ai quelques trucs sympas à faire. Et normalement il devrait faire beau pour l'instant, il y a un peu chaud en short, mais on espère que ça change. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma manucure, un truc un petit peu original pour changer. Donc cette main là est dans ce sens là et l'autre est dans l'autre sens inverse. Ça me rappelle mon époque collège, lycée. Donc finalement je vais pas monter de vidéo tout de suite, je vais pas tarder à aller sur Rouen pour faire une petite chasse au Pokémon, mon téléphone est en train de finir de recharger. Et puis je verrai pour la vidéo plus tard parce que ben, c'est que des vidéos qui sont assez longues, j'ai beaucoup de pré-photos à faire et compagnie. Donc je peux pas le lancer maintenant, j'essaie d'aller faire un Pokémon, de revenir pas trop tard, de commencer à préparer mes vidéos et je verrai si j'ai le temps de la faire dans la soirée avant qu'il fasse. Donc voilà. Bon allez, go direct sur moi, je vais prendre une bûche tout de suite. Donc là j'ai deux petits kilomètres qui vont pas tarder à éclore sur le pendant la route. Mais en attendant j'attends une bûche. Donc là on va tester la dernière mise à jour, maintenant ils ont mis des indices derrière les Pokémon pour voir où ils se trouvent, sauf que moi partout il n'y a que de lien, donc ça m'aide pas beaucoup plus. On verra si ça change en son projet. Donc là on est à la Bastiale Saint-Ouen, donc qui est juste énorme et il y a un parc plein de trucs Pokémon tout autour, donc on va aller dedans. Ça risque d'être plutôt sympa. Le panneau bien rassurant. Je la connaissais pas d'aussi près, mais elle est vachement belle. Donc là, il y a l'entrée du parc, il risque d'y avoir du people. Et moi, j'ai un œuf qui va éclore d'une minute à l'autre. Enfin, deux. Je pense qu'on va rentrer à l'intérieur après, voir ce qu'il y a. Bon, ça, je l'avais pas encore, on va essayer de la voir. Mmh. Validé et je crois que celui-là je l'avais pas encore. Ah si, je l'avais déjà. Voilà. Oh, j'ai un œuf qui éclore. Ouais, pas mal.
sais pas si vous allez voir avec le reflet, mais là il y a plein de Pokéstop avec des leurres. Et vous allez comprendre un truc dans 30 secondes. Donc on voit pas de truc, c'est un endroit où il y a plein de Pokémon parce que vous voyez le monde qu'il y a. J'ai eu le dernier Mewtwo qui me manquait pour faire l'évolution. Donc ça y est, j'ai perçu, je l'avais pas encore. Bon, ma journée est faite. Bon, je vais une directement poser à côté de la petite fontaine pour y faire un petit peu plus frais juste à côté. Et c'est plus sympa pour faire quelques cadres. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des poissons. En tout cas, ils ont beau avoir fait une mise à jour, partout les indices, ils mettent tout le temps que c'est que dans l'herbe, donc ça m'aide pas grand chouïa quoi. Je sais pas, ils peuvent mettre c'est dans l'eau, dans une fontaine, je sais pas, mais là ça m'aide pas. Je sais pas si vous entendez le bordel, mais il doit y avoir un mariage dans le coin.
Mais c'est quoi ça? Bon, on va faire une pause et on va aller voir si on peut aller voir d'autres, on va voir si on peut aller dans l'abbaye. En tout cas, le parc est génial et j'ai réussi à choper quelques trucs intéressants. Donc voilà, on continue.